Et yop tout le monde, c'est Mister Coco, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les gars, pas pour une vidéo, mais un prank les gars, mais un prank, mais du jamais vu, du jamais vu. En tout cas, là sur ma chaîne, c'est vraiment du jamais vu. Je vais faire semblant, enfin, je vais faire croire à Tata que je prends de la coke depuis 2 semaines, 3 semaines les gars. Elle va devenir hystérique telle que je la connais. Donc les amis, pour me soutenir dans ce que je vais faire là, pour vous les gars, mettez un gros pouce bleu les gars, mais vraiment, parce que là c'est vraiment du lourd. Donc bien sûr les amis, ce n'est pas de la coke, c'est de la farine. Donc ne prenez pas de la coke, ne prenez pas du vin, ne fumez pas, ne buvez pas, c'est le mieux pour vous. Mais je vais lui faire croire ça, donc vraiment elle va devenir hystérique les gars. Donc attention, je préfère prévenir les gars, ça risque d'être vraiment chaud. Donc on se retrouve tout de suite avec Tata. Corinne ! Oui ? Corinne ! Oui ! Viens ! C'est bon, t'as pas besoin de frapper, oh oui, je suis tranquille là. Qu'est-ce que tu fais, tu révises? Non, je révise pas là, j'étais en train de préparer. Je préparais la caméra et tout, cool. Tu sais, pour tout à l'heure là, la vidéo de tout à l'heure là. Tu vas faire une vidéo, ouais. Ouais, mais qu'on va faire, on l'a fait tous les deux. Okay. Du coup, je préparais et tout, parce que après, ouais, je vais lancer le live et tout. Bref, là, j'avais un truc à te dire super important là, tu vois, je suis un peu excité, tu vois. Ça se ressent un peu depuis quelques temps. Tu vois, depuis 2-3 semaines. Pas YouTube et tout. Non, non, c'est pas YouTube, c'est au lycée. Non, je te coupe là, c'est au lycée. Si tu veux, je rencontrais un mec et tout. Oui. Et si tu veux, il m'a dit clairement, il avait un bon plan pour moi, parce que je lui expliquais un peu mes problèmes et tout. Il m'a dit, hé frère, j'ai un bon plan pour toi, j'ai de la cocaïne, c'est de la bonne, c'est de la frappe. Pardon? Et du coup, moi, je connaissais pas. Attends, et du coup, moi, je connaissais pas. Attends, laisse-moi finir, je connaissais pas, donc j'essaye, tu vois, j'ai kiffé. Il m'a fait tirer une raille, tu vois, j'ai kiffé. Comment? Et du coup, j'ai ça, j'en ai pris, tu vois. J'en ai pris. D'où? Ce matin au lycée, j'en ai pris. Non. 200 balles, je te jure, j'étais. Oh, ça, ouais, ça coûte gay cher en plus. Mais depuis quand? Mais ta santé? 2-3 semaines, je. Mais non, j'hallucine. Ouais. Non. Du coup, je tenais à t'en parler, quoi. Mais je non. Vis ici mais et oui, tout. Tu. D'accord, on en parle, d'accord. Ouais. Mais tu veux tirer une raille avec moi? Hein? Ouais. Je me suis dit, peut-être que tu voudrais tester. La quatrième dimension. Tu veux pas tester, t'es sûr? Je peux poser ici, hein. Tu sais, on sniff comme non, ça. Non, mais tu réalises ta santé, tu bois pas, tu fumes pas, ouais. Tu fais de la muscu. Mais je prends de la coke. T'as une alimentation saine, ouais. Et tu vas détruire ta santé avec ça. Ben ouais. Comment il s'appelle ce mec? Raymond. Tu te fous de ma gueule en plus. Il se fout de ma gueule en plus. Non, mais non. T'as cru que j'allais te donner le nom. Mais bien sûr que mais tu non. vas me donner son nom. Mais non. Raymond, non, mais il se fout de ma gueule. Mais c'est pour ça que t'es speed depuis des semaines là. Ouais, que t'es énervé. C'est la bombe quoi. Mais non, non, donne-moi ça. Non, je donne pas. Donne-moi ça. Non, je donne pas. Donne-moi ça. Vas-y, mais dégage. Vas-y, dégage. Vas-y, dégage. Pars-toi. Oh. Sa mère. Oh les gars, franchement, c'est ouf ce qui vient de se passer. Je tremble, sa mère. Oh. Franchement les gars, je vous dis honnêtement, je m'attendais pas à faire ça. Je m'attendais vraiment pas à faire ça. J'ai jamais traité Tata de la sorte. Je vous jure les gars, je suis choqué. Donc les gars, ce que je vous propose, franchement, ce prank, il est plus que réussi, je pense. C'est parce que Tata, elle croit à tout les gars. Vous pouvez croire que c'est du fake, c'est pas du tout du fake. Tata croit vraiment à tout. Surtout, elle me fait énormément confiance, donc elle croit à tout. Et là, ce que je vous propose, c'est de la rappeler pour lui dire que c'était un prank, parce que là... Sinon elle peut partir, elle va prendre sa voiture et se barrer, c'est pas bon, c'est pas bon. Bref, Corinne, Corinne, oui. Genre tu pleures, Corinne, viens, je voulais te dire un dernier truc. Oh là là, non mais c'est un prank, t'es filmé. Tu te rends pas compte. C'est un prank. Quoi? C'est un prank, t'es filmé. C'était de la farine. Oh là là. Tu m'as fait peur. Ah, désolé pour t'avoir bousculé. Je te fais confiance. Oh là ouais, là. Je sais que tu me fais confiance. Désolé de t'avoir bousculé. Putain, je m'en suis voulu. Ah désolé, ouais, c'était un prank. Quand on est filmé, tu peux dire coucou aux abonnés. Oh non, les abonnés, mais franchement. Waouh. Ah, la truc, tu m'as fait. Non, t'inquiète, c'est de la farine. Ah, bref, bon, ben les amis. Je pense que le prank il est réussi. Tu penses qu'il est réussi? Ah ouais, génial. Je te fais flipper. Le méga pouce bleu, voilà quoi.
Donc les amis, franchement, si le prank vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Mettez, mais je pense à hashtag soutien à Tata, parce que je pense qu'elle a flippé sa race. Clairement les gars, je vous le dis honnêtement, Tata est là, même pour le dire, c'est pas du fake, elle ne le savait pas. C'est vraiment, voilà, j'avais l'idée en tête et je l'ai fait quoi. J'ai mis la caméra en version comme si on faisait les vidéos et tout. Donc elle s'est pas rendue compte et du coup j'ai pu la troller comme ça et c'était plutôt nice. Donc je pense que le troll prochain ne sera pas comme ça parce qu'elle va sans doute s'en apercevoir. Bref les amis, je vous laisse avec Tata, je vais la consoler. Bref, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, c'était Mister Coco. Tchuss, bye.